Allez, on est parti pour une petite session sur du privé. Avec Tosh de chez Scarla, avec Flo de Fish and Test, et avec notre guide sur le bateau. C'est parti! Ah. Voilà. Enfin. Oh putain. Non. Non, tu l'as pas perdu. Pété. Non. Il avait pas l'air vilain. C'est pas vilain, je crois. Je crois que c'était pas vilain en plus. Après les gars, je suis en 20e là sur celle-là. Ah ouais. J'étais avec un gratté. J'étais avec un tout petit leurre tout pour le fendre. Ouais. Ah la saleté de la journée, merde. Bon bah j'aurai. Il y aura ça en vidéo. Ah merde. J'ai fait aucun. J'en ai un headbanger, j'ai fait aucun brochet. C'est vrai? Ouais. Mais en même temps les brochets au Big Mac. Oh putain pété! Deux fois, putain fais chier quoi! Putain de merde, j'ai les boules là. Tu vas filmer cette fois, c'est putain, moi je l'ai filmé. Merde, t'es je l'ai vu, il ramenait comme ça, il a fait toc. Il y a encore, peut-être coupé. Attends. Enculé les gars, il m'a pété la graffe en deux. Viol. Non, ça c'est la graffe de merde. Est-ce que t'es deg? Elle est neuve en plus, hein. Je l'ai pour info. Elle est pas regarde, mais elle est neuve. Tu vas tester celle-là. Et ouais. Tu vois. Là, je te garde aussi. Je ne pas savoir, tu l'as pas vu. Je croyais que tu l'avais fait à vue. En fait, non, ça m'a mis une groupette l'arrivée là. Et... Là, comme ça, il était comme ça, là, il ramenait tout doucement et là, d'un coup. Ouais. C'est bien ton petit coloris rosé là, rosacé là. D'ailleurs, c'est le blanc là, c'est le rosacé maintenant. T'es pas trop mal, sinon, c'est sur le bord là devant. Attends, comment tu le poses hein? Bah, tu le tiens. Le long là. Oh yes! Oh putain, oh, mais c'est pas vrai! Putain de merde! Mais les mecs, sans déconner, on a la schoon! On est. Je perds un poisson au spinner, tu l'as vu ou pas? Hein? Tu l'as vu? Je pense non, mais je pense qu'il devait faire 60. Putain, mais on est. Non, mais c'est bon, mais je vais en refaire un spinner, c'est obligé. Ouais. Truc de malade! Ah putain, c'est la schoon, les mecs, sans déconner quoi! Après, si on... Ah non, bah y a alors le. Ah mais c'est clair. Bon moi j'en ai marre de pêcher au souple, je vais mettre un petit spinner. T'as un spinner qui tire pas trop? Ouais bah regarde, regarde. Il y a de tout là dans la sacoche. Allez mon petit spinner, j'en sais rien mais... Non mais même voilà. Toutes. Ah voilà. Ben voilà. Voilà. Là tu le tiens celui-là s'il te plaît. Celui-là tu le lâches pas. Tu le lâches pas celui-là, c'est gros. Oh. Bah, c'est gros ou c'est pas gros? Bah, c'est un poisson au moins. Une tanche par le côté ça. Je reconnais... Putain, bah je vais ramener un spinner peut-être pour le moment donné. Et c'est peut-être pas vide en fait. Ouais. Ah ouais? Peut-être sort d'épuisette. Des fois elle est plus. Ah non, c'est pas vilain quand même. Je crois que. Je crois que là il y a quand même un joli bébé. Hein. Je sais pas s'il rentre dans l'épuisette. Hein. Non, non, il y a un joli bébé là. Pas. Non, il y a un joli bébé. Ça dégage, t'as fait un silure. C'est quoi ce soir? Non. T'as une carte par le dos. Ça se trouve que t'as retrouvé quelque chose hein. Je sais pas, on sait pas ce que c'est pour l'instant. C'est une carte par le dos. Non, c'est un joli brochet. Ah oui, il y a un beau bébé là. Beau bébé. Il y a un très beau bébé. Oh, t'as un joli bébé là quand même. Allez, un petit rush. Au revoir. Bye bye. Tu vis un peu là. La tête. Un peu. Il a bien emballé la plus hein. Ouais. Là il a coffré. Ah bon? Ah oui il a coffré. Je suis l'heure sur le bord de la gueule les mecs. Ah non, moi j'ai vu le fil sur le bord de la gueule. Hein. Moi, pour moi. J'ai la grave qui sort. Piqué sur le bord de la gueule, hein. Non, il y a juste la grave qui sort. Hop là. Boum. Ouf, ça fait 90 plus. Ouais. Hey. Allez. Yes. On l'a eu. Ah bon, ben, c'était pas facile hein. Bah, je le laisse dans l'eau, faites-vous la place pour faire une belle photo, etc.
Allez. Sortira plus là, c'est bon. Ouais. Bon, là, y a... Voilà les gens, on garde le poisson dans l'eau, il est en sécurité, il peut pas se blesser. Parce qu'en plus il est. Voilà, on prépare tout ce qu'il faut pour prendre une belle photo pour durer le moins longtemps possible. Allez. Et le relâcher le plus vite possible. Allez. Dans les meilleures conditions. Non, il a pas de tapis. Non, on a pas un tapis là pour le mesurer bien. Ah non, il y a bestiaux là. Il y a bestiaux là quand même. Oh lolo. Là ça fait 95. Non mais attends, mais regarde l'épaisseur. Il est gras hein. Il est énorme, je sais pas combien il pèse mais. Ah il fait ses 8 kilos je pense. Ouais. Allez, on peut faire. Vas-y. Hop là. Alors, tu l'as dit. Ah, il est pas très long, hein, je pense. Et il fait 90. 90 piles. Il fait 90 sous pile. Ouais, ouais, mais. Ok, allez. T'avais cette petite tête et ce gros corps. Oh, vas-y. Tant pis, gars. Voilà. C'est plaisir. Yes, I. Ça prend énormément de temps, ça revient super fin, sinon. Ouais, c'est un petit peu. Nous, là, à l'époque, les sponsors, ils ont été tous, on a fait appel à eux, c'était pas pour notre ego. Hein. Parce que maintenant, les deux mecs, c'est vraiment pas la compète. Et d'ailleurs, j'ai arrêté l'année où j'ai pas repris une seconde. Yeah. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sous le bateau. Hop, t'as une petite brochée. Ah, en vertical. En vertical. Ouais, ouais. Hop. Celui-là il est beaucoup plus clair, on dirait qu'il est plus prédaté que prédateur. Pas vu sa taille, ouais. Il fait du mimétisme. Tu sais. Par rapport à celui de tout à l'heure, ouais, je pense que celui-là il sert plus de proie que toi de chose. Il est plus à nager, ouais. Quand c'est sécurité. Bah allez, il mimi lui. C'est pour ça qu'il est un peu de palo. Nickel. Allez. Oh putain. Allez, c'est parti. Ouais, j'avais beaucoup entendu parler de ce film-là, par contre, je l'ai pas vu. Ah, mais il est bien, par contre, moi, hier soir, je suis tombé sur un reportage, tu sais, dans la télé. Oh, loupé. Ah. Ouais, ouais, vertique. Ah, j'ai pris une boîte, c'était sur 100% poisson, là. Oh, le mec est furieux, Steph, un russe. Bon, c'est des mafieux, les mecs, hein, mais ouais. En gros, le mec, il trouve, tu sais, il était apparemment un peu intelligent, c'est ce qu'il expliquait. Sur quoi, comme un Ruskov. Ouais, trace de Chico, regarde, il était neuf. Un mec qui lui commandite d'aller récupérer l'argent chez un tancier. Et loupé, loupé, ouais, loupé. Il lui tape dessus pour faire des magies, aujourd'hui, ils viennent vers des boîtes pour baisser le prix. Oh, frappe que t'as pris par contre. Tu as vu? Ah ben j'étais en train de te regarder. Là t'as un bébé. Hein. Je t'ai vu ferré tout, beau gosse avec tes lunettes. T'as mis une. C'est le patron ici, il est chez lui, c'est normal. Il est chez lui là et. Il connaît tous les poissons. C'est lui qui les a mis un par un comme ça. Il se défend, non? Donc là il est en train de leur dire bonjour, tu vois. Il va leur faire un petit coucou et il va les remettre à l'eau. Et il a pas l'air. C'est un broc, tu penses? Ouais. Et au fait, il a pas l'air vilain quand même. Oui, c'est tanké. Il a pas l'air vilain encore. Non, tu sais, celui que j'avais une belle frappe. Ah bah ouais. Parce que je pense que tu l'avais mouillé ou je sais plus quoi. Bon, regarde s'il traîne pas. Parce que. J'avais pas prêté le mouillé. Hop, l'épuisette était là. Eh, mais il a l'air d'être sérieux le poisson. Ouais, ouais, il est sérieux. Je pense qu'il est propre. Ouais, ouais, je pense qu'il est propre. Ouais, ouais, c'est solide ton machin là. Ah oui, c'est. Non, c'est broché. Allez, je sais pas ce qu'ils sont, c'est eux qui sont actifs. C'est le même combat que tout à l'heure. Hein. Là, tu vas faire un petit peu le bateau. Là, tu vois, ça aura pas eu... il n'y aura pas eu 50 touches, mais ça, si tu fais 2 poissons de 90 dans la journée, c'est quand même. Oh, ouf, allez, mettrez. Mettrez. Mettrez ou pas loin. Il est mettré, mais il est bétail. Allez. C'est là, ça. Ah, même, il va passer dans l'épisode. Non, il va passer. Il a pas le 90, il est passé. Ah, ouais, bah, ah bah franchement beau. Ah oui. Ouais là il y a beau poisson. Et puis il sait où se mettre. Hein. Ouais il sait où aller. Hein. Ouais il connaît. Ah ça fait ça. Ah t'as beau être le patron, il connaît mieux la noire que toi lui. Cherche tardé, cherche tardé.
Après, la chandelle était magnifique. Ouais. Oh. Bravo. Ah, peut-être pas sûr. À mon avis, il est à 92-93. Il est peut-être pas, mais il est gras. Hein. Ouais, mais comme l'autre, il est gras. Tu veux voir? Ah non, il doit être. Ouais, 90-92. Mais vous avez la barrette, vous avez la règle. Ouais. On a un petit mètre aussi. Par contre, il. Eh, tu l'as mis une couche. Il y a la patate. 92, j'ai pas l'œil. Il est pas tout à fait. On peut le rallonger à 94. On le tire à 94 avec la queue allongée. Sublime. Bravo patron. C'est vraiment le patron ici, hein. Ouais. Là, y a pas de doute, hein. C'est ça. Bon ben voilà, session terminée. Avec le soleil qui se couche. Gentiment, on aura fait quand même une journée assez sympa avec quelques beaux poissons vus. Une touche pour moi et une autre touche pas sûre. Et... Anto aussi a fait quelques touches, mais rien de sorti pour lui non plus. Mais c'était quand même super sympa sur un super lac. On remercie vraiment le propriétaire pour nous avoir donné l'accès et passer une super journée avec lui sur ce lac. Bon allez, moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et à bientôt.